l'occasion du dépôt de la candidature de Moïse Katumbi à l'élection présidentielle. L'agenda de ces dépôts de candidature s'inscrit fort malheureusement dans un contexte de deuil et de repression. Notre parti pleure encore. L'honorable Chérubin Okende Sey, assassiné de manière hideuse, dont le corps n'est toujours pas rendu au sien pour des funérailles dignes. En ces jours historiques, du mercredi 4 octobre 2023, Ensemble pour la République vient de déposer solennellement sa candidature de Moïse Katumbi à la magistrature suprême pour être le prochain président de la République démocratique du Congo. Comment ne pas aussi penser aux victimes des multiples massacres dont notre peuple subit chaque jour les assauts du fait des forces négatives, mais aussi du régime en place, comme récemment le carnage commun. La candidature de Moïse Katumbi vise à restaurer l'intégrité de notre territoire et à redonner sa dignité et sa fierté à un peuple longtemps abandonné et oublié. Elle vise à restaurer la paix et la grandeur à un pays pillé et mal dirigé. Elle vise à donner aux Congolais le sens de la réussite et de la responsabilité au lieu du tâtonnement, des pleurnicheries et de la navigation à vue. Ma mission TV, le miroir du monde. Calmez-vous. Avancez, avancez, avancez. Pardon, avancez, avancez. Confus. Introduit, après vous allez continuer. Non, 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 moi je ne pose pas des questions. Moi je pose pas des questions. Faire une
que, en ce qui concerne les jeux des questions et réponses, il y aura une autre à cet endroit. Je vous remercie. Et je ne répondrai aux questions à l'issue de cette déclaration. Déclaration de Ensemble pour la République à l'occasion du dépôt de la candidature de Moïse Katumbi à l'élection présidentielle. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, en ces jours historiques du mercredi 4 octobre 2023, Ensemble pour la République vient de déposer solennellement sa candidature de Moïse Katumbi à la magistrature suprême pour être le prochain président de la République démocratique du Congo. L'agenda de ces dépôts de candidature s'inscrit formellement dans un contexte de deuil et de repression. Notre parti pleure encore. L'honorable Chérubin Okende Seck, assassiné de manière hideuse, dont le corps n'est toujours pas rendu au sien pour des funérailles dignes. Son martyr ne peut rester impuni. Comment ne pas aussi penser aux victimes des multiples massacres dont notre peuple subit chaque jour les assauts du fait des forces négatives, mais aussi du régime en place, comme récemment le carnage de Goma. D'autres éminents membres de notre parti ont été injustement emprisonnés ou condamnés à la clandestinité afin de ne pas rendre possible ces dépôts de candidature. Hommage et courage à Salomon Idi Kalonda Dela, à l'honorable Mike Mukebai Kosu, à l'honorable Daniel Safou et à tous nos compagnons. Au regard de ces considérations, cette démarche de dépôt de candidature ne pouvait que se faire sous les signes de la sobriété. Raison pour laquelle Moïse Katumbi a délégué son mandat. Ce dépôt de candidature répond à l'appel et aux sollicitations du peuple du Congo profond que Moïse Katumbi vient encore tout récemment de consulter. La candidature de Moïse Katumbi vise à restaurer l'intégrité de notre territoire et à redonner sa dignité et sa fierté à un peuple longtemps abandonné et oublié. Elle vise à restaurer la paix et la grandeur à un pays pillé et mal dirigé. Elle vise à donner aux Congolais le sens de la réussite et de la responsabilité au lieu du tâtonnement, des pleurnicheries et de la navigation à vue. Elle vise surtout à restaurer des valeurs comme le travail, l'effort, l'égalité des chances et la solidarité au lieu de la corruption, des détournements, de l'impunité, de l'instrumentalisation de la justice, des fausses promesses, des mensonges et de la vie facile. Au prix d'un sursaut national, avec Moïse Katumbi, un nouveau Congo est possible.
dans les jours à venir, Moïse Katumbi va s'adresser au peuple congolais pour lui faire connaître sa profession de foi et les motivations profondes de sa candidature. Je vous remercie. Mission TV, le miroir du monde.